Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 15 mars, là il est 10h et je suis sur du montage et j'ai l'imprimante qui est posée sur le lit. Voilà. On commence la journée tout doucement. Faut absolument que je fasse mon montage. Hier j'étais trop fatiguée donc j'ai laissé tomber le montage et je suis partie me coucher. Mais là ce matin du coup je rattrape pour le vlog de hier. Étant donné que j'essaie de faire du daily vlog, il faut que je monte tous les jours. Bref, là je vais faire ça. Après je vais m'attaquer au ménage et au repas. Cet après-midi, j'ai une amie qui vient et comme ça, elle va tour avec moi. Mais dans l'idée, j'aurais bien aimé quand même que quand elle vient à la maison, le repas soit prêt. Donc, je vais essayer de m'avancer. J'ai même pas encore d'idée de ce que je vais faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai même pas encore d'idée du tour que je vais préparer. Coucou. On est accompagné de bébé Sohan, qui a quand même fait une bonne nuit. Il s'est endormi très tard, mais il a dormi toute la nuit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Non, papa, il n'était pas avec toi, t'as dormi tout seul comme un grand. C'est qui est pas tenté? Pas tenté, ça veut dire pas gentil. Allez, bref, je m'active et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve depuis ce matin, je fais genre 10 000 choses et c'est pour ça que je vous ai pas repris, j'avais encore de la paperasse à faire et j'ai fait du ménage. Ensuite, les enfants sont rentrés donc j'ai grave enchaîné avec eux. Bref, là j'ai déjà fait ma pâte à pizza pour ce soir, du coup je vais faire des pizzas. J'ai une de mes amies, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais qui va venir manger avec moi. Et donc je pense que ça pourrait potentiellement lui plaire. Donc là je vais venir faire ma petite sauce. Je mets de l'huile d'olive, purée de tomates, ail, sel, poivre, herbes de Provence. Je laisse revenir à feu doux. Et franchement c'est juste très très bon. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Je laisse la pâte monter également et puis je pense que je vais m'avancer en coupant les ingrédients. Comme ça, je suis tranquille. Ou alors, je le ferai tout à l'heure. Ça va dépendre de comment ça se passe avec Sohan qui va à la sieste. Mon amie est déjà sortie. Elle en a pour 1h30 de route. Donc, ça me permet soit de me reposer un petit peu, soit de faire à manger. Je vais voir ce qui est mieux pour moi. Les filles, je vais vous montrer une technique. En fait, ma bougie, elle est vraiment en fin de vie. Et du coup, je ne vais pas pouvoir atteindre avec le briquet. J'ai pas d'allume-gaz. Donc, je vais venir utiliser un spaghetti. Et en fait, c'est avec ça que je vais allumer la mèche qui est à l'intérieur. Voilà. Et ma bougie, elle est allumée. Donc là, je pense que ça va être la dernière utilisation. Je suis trop triste. Je l'aime trop, trop celle-ci. Mais en même temps ça me ferait un peu de place sur mon étagère. J'ai tellement envie de vider et les encombrer. J'ai d'ailleurs fait une grosse pause sur mon tri. Mais on va reprendre prochainement. Bon, je me suis posée un petit peu sur le canapé. Là j'ai mon amie qui arrive. Et d'ailleurs je vais juste hydrater ma peau. Elle m'a envoyé un message. Elle est là dans genre 2 minutes. Du coup on va se poser un petit peu. Et je pense que quand j'aurai récupéré les enfants à 16h30, à ce moment là j'ai récupéré ce que je vais mettre sur ma pizza, donc mes olives, mes champignons, mon poivron. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais je vais faire une pizza au thon. Ma peau, elle avait grave besoin d'hydratation. Elle est archi sèche. Genre vraiment archi sèche. Mais ce sérum, il est vraiment super bien. Franchement, il est très très bien. Et j'ai l'impression qu'il suffit de ouf à ma peau. Donc bref, je vais aller ouvrir la porte parce qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas sonner puisque Sohan a fait dodo. Donc, je vais la rejoindre. Je t'amoure ou quoi? Ah bon, Ali, il faut faire la conscience. Hein. J'essaie de me gérer et on va faire un tour en voiture depuis le final. Grave! Moi, je t'attends, j'irai pas, j'ai pas confiance. Hein. Bon, je vous retrouve, j'avoue que j'ai un coup de mou aujourd'hui. Là, je vais commencer à préparer le four. Ça va être très simple, ma foi. Je vais vérifier la date de ma pâte feuilletée. Du coup, j'avais une farce avec de la viande. Et là, je vais venir la mettre dans ma petite pâte feuilletée. Et je vais mettre ça au four. Je vais pas déjeuner d'œufs, etc. En tout cas, écoutez, je vais vous laisser en image. C'est hyper, hyper facile, ce genre de recette. Et là, surtout, ce qui est chouette, c'est que j'avais déjà ma pâte préparée. Donc, ouais, ça va être rapide. Et après, on va passer à la pizza. J'ai déjà tout découpé tout à l'heure avant de récupérer les enfants à l'école. Là, il va suffire de...
Là, je vais juste avoir à faire la pâte, enfin voilà, vous avez compris, mettre tout ce qu'il y a dessus et enfourner. Donc en vrai, ça va être jusqu'à, je pense. Et après, je vais mettre la table, tout simplement. Donc avant ça, je vais venir mettre du kiri et après, je vais mettre ma farce. J'aime bien quand il y a du fromage, je trouve ça juste trop bon. Les filles vont remplir les plombs. Et vu que les pizzas sont au thon, et ben je suis contente que là on ait quand même un petit truc avec de la viande. J'avais envie de viande. D'ailleurs là, les dernières minutes avec mon ami, on était toutes les deux posées sur nos téléphones respectifs. Et genre on regardait que des recettes. Ça y est, on a la dalle. Hop là. Je vais vous montrer comment j'enroule. Ok. Alors, hop. Je vais vous montrer ce que je fais. Non, t'inquiète. Tout va bien. Je vais bientôt enfourner le feuilleté, ça va vite. Ok, donc. Je vais venir le bas déjeuner d'un œuf et ensuite je vais mettre un peu d'herbe de Provence. J'aime trop ça et je trouve que ça relève bien le goût sur la pâte feuilletée. Mais je vais le découper maintenant avant d'enfourner. Ça va être plus pratique. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble et je trouve même que c'est super joli. Allez, go. J'ai mis la gel là-bas qui est relou pour cuisiner là. Ok, maintenant je viens mettre de l'herbe de Provence. Oh, on voit rien du tout. Ouais. Ok, je vais venir découper. Comme ça, c'est fait. J'ai été généreuse à pancetta à l'intérieur, du coup ils sont bien garnis et j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, du coup là ça ressemble à ça et là je vais aller enfourner et c'est assez rapide comme vous voyez et très très simple à faire. Bonsoir, là je vais émietter les tons. Tu sais que je coupe pas le son. Le son c'est le son original. Hein. Tu l'as fait au dernier? Yep, je l'ai laissé dedans. Ah, exactement le moment où je me suis rendu compte que c'était filmé. Enfin, oh merde. Ah, je me fatigue toute seule. Bon, du coup, voilà, dîner de ce soir. On a de la hira, on a de la pizza, on a des petits feuilletés à la viande, mes dates, amandes, coco, des cookies que mon ami a ramené. Ça y est, c'est l'heure. Macroud. Et là, on a des boules de coco à la mauricienne. Et là, c'est des petits gâteaux que Imen m'a ramené. Donc voilà, bon appât nous. J'ai vraiment galéré de ouf à mettre le liner, celui d'Action, il est éclaté. Et dites-vous que j'en ai testé des liners, j'ai testé sous toutes les formes, je m'en sors plutôt pas mal d'habitude. Mais alors là, celui-là, c'est une horreur. En fait, t'as du mal carrément à marquer quoi. Oui mon doudou d'amour. Tu veux un câlin? Je vais t'asseoir. Mais là, maman, elle est assise, mon bébé, elle est assise. Je termine. Je suis pas tentée. Ça me fait mal au cœur quand tu dis que je suis pas tentée. La totalité des joueurs de la feuille de match, les 23 joueurs, c'est-à-dire aussi ceux qui sont remplaçants, ceux qui seront sur le banc au coup d'envoi. Alors là, oui, c'est une première qu'on écoute. Ma belle-sœur ici présente, elle a fait des bad boots. Elle a un peu dire c'est pas des bad boots. En fait, c'est une recette un peu express, elle me disait, avec des pâtes à pizza. On l'a fait comme ça. Mamie Boudin. Mamie Badbout, on l'a fait maintenant. C'est trop mignon. Bref, et du coup, j'ai mon autre belle-sœur qui est en train de mettre la table. Donc à table, nous avons les feuilletés. C'est toi qui as fait, j'imagine. Un truc dans ma vie, ça. Croissant au thon. On a. Ça, c'est du coup, on l'a appelé comment? Des pâtés. Mamie croissant. Mamie croissant au thon. On n'appelle pas thon parce que t'as vu. Là, c'est des petits pâtés. Donc, ça, c'est mauricien. En fait, c'est fait avec une pâte à la mauricienne. Et on a également ça. On appelle ça des afoumoun à l'intérieur. On a du poulet, on a de la carotte. On a. Je sais plus, je permets. Ouais, donc, on met tout dans l'assiette, tout ce qui reste. Et là, dans quelques minutes,
il est 49 et on mange à 19h30. Ah, il va lever la voiture. C'est bien, il n'y a pas trop de gâteaux comme l'année dernière. Je te jure, après. Parce qu'elle a Jenny Carré après. Oui. Ah, il a pas de. Mais tout là. Ouais, non, mais t'as raison, je vais la vendre à quelqu'un qui l'aime pas que t'es vainqueur, c'est une idée. C'est quoi du fromage? Ça passe? Sélectionnez un produit à l'aide des boutons sur le bouton vert. À toi, Léa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas t'asseoir d'abord. J'enlève. Bon, ce matin, on commence la journée en faisant les photos d'identité pour les enfants. Il a fallu remonter ça parce qu'elles sont toutes petites. C'est parti, let's go. Je vous retrouve en 2-2 un peu plus tard. Il y a de la musique, donc je vais faire vite. Là, je suis au marché frais. Je fais des courses en vraiment vite fait parce qu'on est rentré. Le mec, il nous a dit on ferme dans 15 minutes. Donc, on va genre juste accélérer. Les filles, on va prendre ça. On va s'accélérer, on va faire ce qu'il faut. Et puis voilà, ce matin, on est parti faire les photos d'identité parce qu'on refait le passeport des enfants. Écoutez, je m'active et on se retrouve. Je vous montrerai ce qu'on a pris. Bon, je vous retrouve. Je viens de rentrer. Il est 14h15. Attendez. Je vais vous faire un petit retour de course. Donc on a pris des pommes de terre. Je crois que c'est je sais pas combien de kilos. Mais bref, on a pris ça et du coup comme je vous ai dit, on est parti au marché frais. Et on a eu genre un quart d'heure pour faire les courses. Donc on a essayé de se speeder au max. J'ai pris du chocolat noir. Donc ça c'est pour faire de la pâtisserie, des gâteaux et tout. J'ai pris des yaourts comme ça pour les enfants. Donc il y a abricot, banane, fraise, framboise, fruits des bois et vanille. J'ai pris de la farine. J'ai pris 4 paquets puisqu'ils étaient pas chers. Ils étaient à 68 centimes. On a pris flocons d'avoine, comme ça. J'ai pris un petit paquet de coquillettes le matin. Annie, il aime bien manger des coquillettes. Hop. Alors, ensuite, j'ai pris du fromage comme ça, que j'ai trouvé cher pour ce que c'était d'ailleurs. On a pris des petites saucisses nature, tout simple. Des bananes. Attendez, parce qu'avec ça, du coup. Oula. J'ai pris de la burrata comme ça. Donc on en a pris deux. On a pris ce beurre de cacahuète qui avait l'air pas mal d'ailleurs, ma foi. Et en plus, c'était en promo. Donc voilà. On a pris du blanc de poulet. Donc des comme ça. Et des comme ça. Moi, je préfère les comme ça. Je les trouve différents. Celles-là, je les trouve trop. J'aime pas du tout. Par contre, celui-là, je trouve qu'il est normal. C'est pas non plus un truc de ouf, mais ça va. On a pris des mini saucisses comme ça. Je fais des petites recettes en fait avec ça là et des pâtes et ça passe vraiment bien. On a pris des courgettes comme ça. Et on a pris ce riz au lait. Franchement, je le trouve vraiment bon. Il est pas trop sucré et tout. Et je le trouve pas mal. En plus, là, pour le coup, les courses ne sont pas revenues vraiment chères. On en a eu pour 35€. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. Sachant qu'on a de la burrata. On a quand même des saucisses, des mini-saucisses, du blanc de poulet, voilà, de la charcuterie. C'est un certain prix. On a des yaourts, de la farine, quelques légumes. Enfin, les courgettes, quoi. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Là, je vais ranger tout ça. Et je vais faire une soupe aux courgettes au Thermomix. Et après, tout à l'heure, je vais faire des cookies au beurre de cacahuète. C'est pour ça que j'ai pris là du beurre de cacahuète. Mmh. Franchement, la recette, elle est trop trop bonne. Je vous la donnerai. Mais je vais commencer par ma soupe. C'est parti, let's go. Bon, là il est 14h34 et je vais commencer à préparer le dîner de ce soir, donc ça va être très simple. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire une petite soupe aux courgettes. Je vais vous laisser la recette juste avant et je vais commencer. Donc moi je vais mettre du Thermomix qui est juste là et c'est trop un gain de temps. Donc c'est parti, let's go.
soupe est déjà prête. Voilà à quoi elle ressemble. Alors moi, en plus de la recette du Thermomix, je rajoute de la crème liquide à 4%. Je rajoute des pommes de terre pour que ce soit un peu moins liquide en fait, parce que bah, sinon j'ai l'impression que ça blande pas du tout. Et je sais que chez moi, bah, ça suffira pas du coup. Et je rajoute du fromage en plus que ce qui est indiqué. Bref, là avec mon deuxième bol de Thermomix, on va faire les cookies au beurre de cacahuète. C'est parti, let's go. Bon, du coup, je me suis dit qu'on allait faire les cookies ensemble. Donc, on va commencer par mettre des cacahuètes dans un blender. Moi, je vais le mettre au Thermomix, mais on va le mettre dans un blender. Donc, il faut qu'il soit grillé à sec et salé. Ouais, c'est à peu près ça. Oh, j'en ai pas assez. Eux ils disent 100 grammes, moi je vous conseille 120 grammes. 120 grammes c'est la recette de mon ami et franchement c'est juste excellent. Ok, ensuite bah, du coup vous les mixez. Ok, ensuite tu vas venir mettre 80 grammes de cassonade. J'avoue 80 c'est beaucoup hein. Ensuite, tu viens mettre 100 g de beurre coupé. Alors moi, je vais venir mettre du beurre demi-sel. Bon, pour ma part, je vais mettre que 65 g parce que c'est très gras le beurre, n'est-ce pas? Et qu'on a quand même mis pas mal de cassonade. Donc moi, je vais mettre 60 g. Mais sachez que dans la recette, c'est 100 g. Après, chacun fait comme il veut. On vient rajouter 150 g de farine. On vient rajouter un demi sachet de levure chimique. Trois pincées de vanille en poudre. On vient rajouter un œuf. Et ensuite, tu viens mélanger le tout. Ça a l'air d'être trop bon. Maintenant, tu vas venir rajouter 100 g de pépites de chocolat. Du coup, moi, j'ai pris du chocolat noir et en fait, je les ai fait en petits morceaux pour faire des pépites. Mais de base, c'était des carrés de chocolat classiques. Je vais pas mettre 100 g, moi, je vais en mettre 50. Et surtout, n'oublie pas, ce qui va faire la différence dans la recette, ça va être le beurre de cacahuète que tu vas venir mettre dans la pâte. Du coup, tu prends une petite cuillère à soupe. Comme ça. Et tu la mets dans la pâte, tu mélanges le tout et ensuite il n'y a plus qu'à former tes cookies et les mettre au four. Donc à peu près entre 10 à 15, ouais, 15 minutes on va dire, à 180 chaleur tournante. Et surtout ne pas les laisser durcir trop parce qu'en fait ils vont être bah, trop durs. Je vais vous montrer en fait à quoi il faut qu'ils ressemblent si je loupe pas la cuisson. Donc écoutez, je mets la dernière étape et c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne avant cuisson. Et là, je vais venir les mettre au four. J'espère que ça va le faire. C'est la première fois là que je fais ces cookies-là, mais j'en ai déjà fait d'autres. Je crois que ce que j'avais fait, c'était une recette de Mama Jumeau. J'avais vu sur sa chaîne et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et là, bah, du coup, je teste cette recette. Je vous redirai de toute manière. Et puis vous aussi, quand vous la testerez, vous me direz. Je vais essayer de tout vous lister en barre d'infos. Bon, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser refroidir. Et après, je vais pouvoir les mettre dans une boîte type Tupperware. Autrement, je suis en train de préparer le four de Ali qui va pouvoir amener au travail. Et j'ai lancé une machine par-dessus. En fait, l'air de rien, cette journée, elle ne s'arrête pas. Bon, du coup, ce soir, dans les assiettes, c'est un petit peu un melting pot. Là, il y a de la pizza, mais on termine les restes. Il y a la soupe à la courgette que j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est des petits beignets que mon papa a fait hier. Et ça, c'est une brique que Imen a faite. Je l'ai réchauffée, c'était au congèle.
Pour Inaya, il y a le riz de ma mère avec de la viande, quelques saucisses. Elle voulait trop ça. Pizza, pareil, petite brique, petit beignet. Elle a sa petite date ici. Moi, ici, c'est bah, des trucs sucrés. Donc, il y a des macroudes, il y a des gâteaux qu'il m'aide à ramener. J'ai des petits trucs à la coco, donc ça, c'est à la mauricienne. Et j'ai les fameux cookies qu'on a fait, enfin, que j'ai fait tout à l'heure, qu'on a fait ensemble. Donc voilà, il ne reste plus que quelques minutes et on va pouvoir passer à la table. Ayas